13 mai, la grande manif, j'ai suivi ça. Mais cette grande manif était formidable. J'ai énormément filmé. Je ne sais pas d'où venait la pellicule à ce moment-là, mais j'en avais. Et le soir du 13 mai, je me suis dit, c'est fini. Je me suis dit, c'est fini parce que c'était à la fois trop et pas assez. Ça n'était qu'une manifestation. Et dans les plans que j'ai fait beaucoup de plans où, en fait, je filme les traces, c'est-à-dire tout, les papiers qui volent, tout ça qui est par terre, tout ce qui est la fin. Pour moi, ça s'est arrêté le 13 mai. Alors, c'est vrai que les luttes ouvrières ont commencé après. Elles ont commencé, toute l'histoire de la Sorbonne, où les ouvriers sont venus, quand même, même si la CGT n'était pas d'accord, ils y sont allés. Et le droit à la parole est arrivé. C'est-à-dire que cette parole s'est libérée à partir du 13 mai. Ça, c'est sûr. Ce 13 mai, les gens ont manifesté pour, en fait, n'avoir plus à manifester. Tu vois, pour être à flot et en fait, se reprendre.